Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou, comment ça va? Comment ça va? Aujourd'hui, je regarde derrière et derrière, il y a une très grande fenêtre et je vois que c'est gris et il pleut. J'espère que là où vous êtes, il fait beau parce que ici, ça n'est pas le cas, mais c'est pas grave. Stardust est avec nous. Bonjour Stardust. Morita est là. André est là aussi. Bonjour André. Yossi qui nous dit bonjour. Alors attendez, je regarde qui sont les autres. Romande est là, bien sûr. Comment ça va, Romande? J. Vincent est là aussi. Victoria Jacques. Coucou. Johanna qui nous dit bonjour, monsieur le professeur. Oh là là. Oh, monsieur le professeur. Alors là, tout de suite, j'ai l'impression d'être à l'université encore quand les gens m'appelaient monsieur le professeur. Merci beaucoup, Johanna. Morita, je l'ai déjà dit. Victoria Posse est là, bonjour. Gloria est avec nous. Victoria Jacques, ben, j'ai déjà dit. Ah, c'est parce que ça discute, ça discute. Omar est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Luciana est là. Je ne sais pas si Luciana va courir après le signal. C'est possible. Dénora est avec nous. Bonjour, Dénora. Ensuite, je regarde Grace est là. Bonjour, Grace, comment ça va? Olga est là aussi. Renato est là aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Oh, je ne sais pas, ça discute beaucoup. Denise est là aussi. Comment ça va, Denise? Est-ce qu'il fait froid chez vous? Ici, c'est, on sent que la neige là est en train de fondre, un vrai délice. Cheryline est là aussi. Bonjour Cheryline. Stella est avec nous et elle est heureuse apparemment. Sariana est là aussi. Je regarde. Ice Cubes nous rejoint. Alors là, Ice Cubes, j'adore. J'adore le petit personnage. Qu'est-ce qui se passe, Ice Cubes? On est dans la gymnastique ou quoi? Anjou qui nous rejoint. Bonjour Anjou. Tanay là aussi. Benter est avec nous. Yulia qui dit. Oh, ah bah oui, mais j'aurai la réponse dans quelques minutes, bien sûr. Fatima, comment ça va, Fatima? Denise, 18. Bah 18. Ah oui, mais c'est des Celsius. Bah 18, ça va. Alors là, Denise, il ne faut pas se plaindre. À plus 18, à cette période de l'année, soleil, pas de nuages. Ben, regardez ici, c'est gris. C'est même plus que gris. Je ne vois pas le ciel. Je ne sais même pas si le ciel existe encore. Allez. Et la chanson du jour. La chanson du jour, elle est juste pour vous. Je trouve que c'est une chanson qui est vraiment, vraiment très, très sympa. Chanson de Julien Doré. Julien Doré, on a déjà eu l'occasion de le découvrir ici. Et la chanson, c'est une chanson assez récente qui s'appelle Kiki. Et il y a un clip qui est assez amusant, justement. Puisque dans le clip, effectivement, attendez, je clique sur Mojita, je ne sais pas pourquoi. Mais donc le clip, je vous invite à le regarder, mais surtout écoutez la chanson. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, cherchez les paroles, vous pouvez les trouver. Essayez d'écouter, essayez de chanter avec la chanson. C'est toujours très très bon pour la prononciation, pour la phonétique. Ça vous donne une sorte de fluidité que vous allez retrouver quand vous allez parler après. Donc c'est très important d'écouter de la musique, de chanter et bah, de comprendre effectivement de quoi il parle dans sa chanson Kiki. Allez, voilà, c'est bon, on commence. Alors
encore une fois, les chansons, je vais le répéter, et je vous mets le lien là, sont disponibles sur la playlist de notre cours. Donc vous pouvez les retrouver là, c'est sur Spotify. Si vous avez Spotify, bah, cliquez dessus et vous allez voir cette chanson. J'ai ajouté cette chanson aujourd'hui, je vous invite à l'écouter. Alors, un film assez intéressant. Oscar, c'est une pièce de théâtre que Louis de Funès a jouée pendant de très nombreuses années. Et ils ont décidé de faire une adaptation au cinéma. Et l'adaptation est assez incroyable, à mon avis. C'est vraiment une très bonne adaptation. Vous sentez que, clairement, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre avec les portes qui claquent, etc., etc. Mais c'est vraiment une performance incroyable de Louis de Funès. Si vous avez l'occasion, eh bien je vous invite à découvrir ce film. Alors, Julia, je ne vais pas répondre à... Qu'est-ce qui se passe, Julia? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le défi du jour, je vous l'avais dit, aujourd'hui, ça n'était pas en heures, mais c'est en kilomètres. J'ai fait 8 kilomètres. Je voulais atteindre les 10, mais je n'ai pas vraiment eu le temps. C'est ça le problème maintenant que j'ai, c'est un problème de temps, c'est-à-dire qu'il faut que je travaille quand même. Il faut que je sois là, et puis il y a la vie familiale, et il y a la vie en général. Donc, c'est vrai que ça n'est pas toujours très facile. Mais j'en ai fait 8. Idéalement, la prochaine fois, demain, j'aimerais en faire 10. Mais petit à petit, on va... c'est dans le bon sens en tout cas. Alors, si vous aimez Tati, Playtime, personnellement, c'est pas mon film préféré de Jacques Tati, mais clairement, au niveau de l'esthétique, il est difficile à battre. Il est vraiment difficile à battre. C'est vraiment un film très, très esthétique. Et on retrouve tout l'univers de Jacques Tati et tout ce côté très basé sur le mime et sur les situations qui sont assez amusantes et parfois grotesques. Playtime, allez-y. Personnellement, je vous recommande Mon Oncle quand je parle de Tati, mais Playtime, à mon avis, c'est vraiment... Ou Trafic. Trafic est très bon aussi. Playtime, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Alors, on sent Cheryline, on sent la professionnelle, Cheryline, qui dit « Mais quels sont vos objectifs ?» Moi, il y a deux objectifs que j'ai, Cheryline, qui sont des objectifs très simples. Je suis un homme, comme vous le savez, les hommes raisonnent de façon très simple. Il y a juste deux unités qui vont m'intéresser. La première unité, eh bien, c'est les kilomètres, et la deuxième unité, c'est les kilos. Le confinement n'a pas été vraiment très favorable pour mon poids. Et donc voilà, j'ai quelques kilos, enfin plus que quelques kilos, j'ai des kilos à perdre. Donc deux choses, kilomètres et kilos, c'est là-dessus que je vais m'orienter. Et mon alimentation, pas de problème, ça j'arrive à gérer. Allez, la phrase du jour s'il vous plaît, comme d'habitude, une phrase pour résumer votre journée. Eh bien d'aujourd'hui ou d'hier, si c'est le matin chez vous, allez-y. Thank you.
Alors, Julia, dans 6 mois, on va voir Vincent avec un six-pack. Non! On veut juste voir Vincent avec moins de kilos, c'est-à-dire là, là, partout. Partout, partout, il faut que ça parte et ça va partir, ça c'est clair. Omar qui nous dit, vendredi, pour me relaxer en regardant La Trêve, une série française sur TV5 Monde. La Trêve, ça je ne connais pas Omar. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Fatima, hier j'ai regardé Les Diaboliques, comme ça. Et j'ai commencé à regarder Les Damnés de la Commune, incroyable. Est-ce que, Fatima, vous êtes d'accord esthétiquement? Les Damnés de la Commune, c'est vraiment très très bien fait, à mon avis. Et vous allez voir, à la fin, on explique que toutes les animations ont été réalisées à partir d'illustrations originales. Et c'est vraiment formidable. À mon avis, c'est très très bien. Et beaucoup d'acteurs ont prêté leur voix à ce documentaire, Les Damnés de la Commune, parce que, bien sûr, c'était les 150 ans de la Commune. J. Vincent, hier a été agréable pendant une courte période. Je me suis assis dehors pour lire, mais il faisait trop froid très vite. Oui, mais c'est petit à petit, J. Vincent, petit à petit, c'est une victoire, une petite victoire, demain encore plus, etc., etc. Victoria Jacques qui nous dit « Je suis prête ». Pour le week-end, et oui, Victoria Jacques, elle aime bien le week-end, elle aime bien, est-ce que, c'est quoi, c'est de la cuisine, qu'est-ce qui se passe ce week-end, Victoria Jacques, on veut savoir. Hilary qui nous dit bonjour, je suis fatiguée parce que je n'ai pas bien dormi hier soir, qu'est-ce qui se passe alors, qu'est-ce qui se passe Hilary? Il faut essayer de faire une petite sieste peut-être. Mélissa, ma journée est très calme, eh ben voilà. Parfois, c'est bien. Stardust, j'ai passé une très belle journée. Je suis allé me promener. Il faisait un peu froid dehors aujourd'hui. Puis, j'ai cuisiné de l'arabe et j'ai entendu de la musique des années 80. Ah, la musique des années 80. Ben oui, c'est difficile à battre. C'est difficile à battre. La musique des années 80... C'est très léger, c'est sympathique, c'est rythmé, c'est innocent, c'est formidable. Victoria Possé, c'est un matin pluvieux et il fait froid, mais je suis sortie faire ma marche avec la compagnie de mon parapluie. Victoria Possé, est-ce que vous avez nommé votre parapluie? Peut-être qu'il faut donner un nom. Ça peut être sympathique. Yesero, hier, j'ai vu un documentaire qui s'agit des effets du maquillage et des produits toxiques qui me perturbent. D'accord, très bien. C'est-à-dire les produits toxiques qui sont dans le maquillage. Kate, bonjour Kate, comment ça va? Denise qui nous dit, j'ai enseigné comme d'habitude, mais oui, parce que c'est une personne qui travaille beaucoup, Denise, à des agents fédéraux, dont le président directeur général est de l'hôpital de la ville d'Ottawa. Ben écoutez, bon courage, j'espère qu'ils sont sympathiques, ça c'est important. C'est toujours important d'avoir une bonne ambiance quand on enseigne. Surtout avec des adultes. Olga qui nous dit « merveilleux ». Ben ça, c'est formidable. Chris, c'était une journée très relaxante. Julia, moi, comme un soleil de fin de siècle qui se couche entre les bras. Elle nous fait des citations, Julia. Ça y est, Julia la poétesse est parmi nous. Yossi, un autre jour pour apprendre le français. Je suis très motivé pour ça. Eh bien, merci. Et moi aussi, je suis motivé pour vous enseigner. Dénora, je suis coincé. Ma voiture est en réparation et mon vélo a un pneu crevé. Qu'est-ce qui se passe, Dénora? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Cosmina, un jour avec du soleil, des fleurs, un air chaud, je commence à me sentir dans mon élément. Mais ça, c'est bien. Soleil, mais donc air chaud. Waouh! Alors là, vous avez de la chance. Vous avez de la chance, Cosmina, profitez. S'il fait doux, s'il fait chaud, il faut aller à l'extérieur. Luciana, ma phrase aujourd'hui est que je dois dire rebonjour plusieurs fois sans signal. Luciana va courir dans l'hôpital, elle cherche le signal. Pauvre Luciana. Stella, la journée a été productive pour moi, ça c'est bien. J'ai vendu 2 vieux portables et je me suis promenée dans mon quartier. Chrismo, aujourd'hui je regardais le meilleur pâtissier et c'est bon.
D'accord. Personnellement, Chris Mo, c'est sur la télévision française. Je préfère le meilleur boulanger. C'est comme ça, incroyable. Une émission formidable. Je vais vous la présenter bientôt. Mais tous les jours, enfin de la semaine, je regarde cette émission. J'adore ça. Renato, aujourd'hui il fait un soleil mais nuageux et puis il y a une menace de pleuvoir. Vouslat, j'ai parlé à une amie au téléphone et j'ai continué à lire mon livre. Ben, ça c'est bien. Lynn, ce matin j'ai écouté la nouvelle de la mort du prince Philippe, c'est dommage. Eh bien oui, mais 99 ans quand même. Ça n'était pas une jeune fleur, comme on dit. Omar, la trêve d'une une série policière que j'ai trouvée. D'accord, très bien. Cheryline. Ah, donc là, oui. Est-ce que, oui, je vous présenterai une autre série policière, si ça vous intéresse, Omar. Cheryline, j'ai une journée productive au travail et j'ai regardé Taskmaster, ah, le fameux, pendant le dîner. En encourageant la concurrente australienne, bien sûr. Un petit peu de chauvinisme, j'ai l'impression. Juste avant d'apprendre la mort du prince Philippe. Mélissa Madrid, d'accord. Johanna, depuis ce matin, je suis allée à la salle de gym avec mes enfants. On passe là-bas 2 heures agréables. Mais la rentrée à la maison, j'ai dû passer devant mon laptop quelques heures fatigantes tout en éliminant quelques 20 000 emails. Ah, vous savez, Johanna, il y a un moment, il ne faut plus regarder les emails, vous attendez. Moi, c'est ma technique, je regarde les emails une fois par semaine maintenant, sinon, c'est pas possible. Tout ce qui est professionnel, oh oui. Renato, les jeunes d'aujourd'hui aiment bien les chansons des années 80. Moi, je ne suis pas jeune, mais j'aime les années 80. Romande, aujourd'hui, je n'ai rien fait de spécial, mais plus tard aujourd'hui, je vais chez le coiffeur, car j'ai pris rendez-vous avec le coiffeur, donc je termine le cours d'aujourd'hui un peu plus tôt. Pas de problème, Romane, il faut être beau. Ice Cubes, il fait encore froid. J'étais au bureau, mais il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Donc je peux commencer à courir. Eh oui. Ce soir, c'est la dégustation sur ligne. Qu'est-ce que c'est la dégustation sur ligne ? Alors, Visconti a fait des chefs-d'œuvre et effectivement, il a fait des choses en français, des choses en italien, mais là, ça, Rocco et ses frères, c'est un grand classique. Si vous aimez Alain Delon, personnellement, je pense qu'Annie Girardot est formidable dans ce film. C'est une actrice que j'ai toujours, toujours adorée. Je vous invite à regarder ce grand, grand, grand classique, Rocco et ses frères. Allez, on y va. Trouvez un mot, s'il vous plaît. Trouvez un mot qui commence avec BR. Allez-y, s'il vous plaît. Julia Reuschneider est jalouse. Probablement. Allez, ça attaque avec Yossi qui nous dit le bricolage. Ensuite, Stella, ben c'est la même chose, hein, bricoler, verbe régulier. Renato qui nous dit un braquage. En parlant de braquage, Omar, si vous aimez les séries policières, il y a une série policière qui s'appelle Braco, qui est pas mal.
Renato qui nous dit, ah non c'était ça, Omar qui nous dit une branche, Benter qui nous dit un brocoli, J. Vincent qui nous dit bref, série très très intéressante sur Canal+, Alberto qui nous dit brûlé, Julia qui nous dit breton, et oui les bretons, comme ma maman était bretonne et c'est comme ça qu'on danse avec le petit doigt et on danse avec les autres personnes, vive la Bretagne. Alberto brûlé, Fatima bruyant, Victoria Jacques brute, Yesero qui nous dit un bruit, Bola qui nous dit brûlé au féminin, Vouslat qui nous dit une brioche, oh, ça c'est bon, une bonne brioche, ça c'est pas mal, Mélissa qui nous dit brume féminin, la brume, Hilary qui nous dit bref, Cosmina qui nous dit le brimborion, je ne sais pas ce que c'est, Luciana qui nous dit un bras, Gloria qui nous dit brûlé, Chris qui nous dit un bruit, Stardust qui nous dit le broiement, Olga qui nous dit bravo, brume, elle en donne deux pour le prix d'un, et Denora qui nous dit un bras, effectivement. Merci beaucoup en tout cas. Ah, ça continue. Victoria Possé qui nous dit une brebis. Berilla 71, bonjour, qui nous dit briller. Cheryline qui nous dit broméline. Je mange de l'ananas en ce moment. Eh bien, bon appétit. Bah, attention avec l'ananas. Je ne sais pas si c'est la même chose avec vous, Cheryline, mais si je mange beaucoup d'ananas, ça commence à brûler terriblement dans la bouche. Et Johanna qui nous dit broyer. Alors, les films de Truffaut, bah, les films de Truffaut, c'est des classiques. C'est vraiment, vraiment des grands classiques. Baiser volé, c'est un film vraiment délicieux, à mon avis, de François Truffaut. On retrouve le personnage, l'acteur fétiche de François Truffaut, qui est Jean-Pierre Léo, et qui est vraiment formidable, à mon avis. Dans ce film. Si vous aimez Truffaut, si vous ne connaissez pas Truffaut, je vous invite à le découvrir avec ce film Baiser volé, qui est vraiment, vraiment très sympa. Alors hier, nous n'avions pas eu le temps de faire la recette du jour. Et j'imagine qu'il y avait quelques personnes qui étaient déçues, notamment Victoria Possé, Victoria Jacques. Allez, la recette du jour, eh bien regardez. Eh bien oui, il y a un moment où on doit parler des madeleines. Les madeleines, bien sûr, je vais vous proposer une recette facile. Les madeleines, bien sûr que quand on pense tout de suite, eh bien à Proust. Proust, la madeleine de Proust, tout ce qui vous replonge dans votre petite enfance. Et c'est vrai que pour moi, une bonne madeleine, hop, je repars directement en arrière, un peu comme avec la musique des années 80. On y va. Les madeleines, regardons. 200 g de farine, 3 œufs. 150 g de sucre, 8 g de levure chimique, 100 g de beurre fondu, 5 cl de lait et 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. La fleur d'oranger est impressionnante et elle est importante ici parce que c'est ce qui va vous donner ce petit goût spécial qui, selon Proust, peut vous faire repartir en arrière. Allez, on y va. La première chose concernant, eh bien, ces madeleines délicieuses. Non, qu'est-ce qui se passe, Vincent? Alors, est-ce que c'est encore comme l'autre fois? Oui. Ah, c'est toujours ça. C'est ça quand on fait les choses à la dernière minute. Ça n'est pas grave. On va le faire en direct, comme hier. Et pourtant, vous voyez, il n'y a pas de vin rouge. Il y a juste du sport ici. Allez, on y va. Attention. Donnez-moi une toute petite seconde. Et je vais, voilà, vous le faire en direct.
C'est bon, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Préchauffer le four à 240 degrés. Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux. Réserver. Préchauffer le four à 240 degrés. Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux. Réserver. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, je suis là, bien sûr, je suis en train de préparer en direct les choses qui suivent. La première chose que nous cherchions, eh bien, c'était le mot four. Le mot four, c'est un substantif, c'est masculin. Le four, on l'écrit F-O-U-R. Deuxième chose, eh bien, c'est un verbe à l'infinitif. Et vous l'écrivez F-O-N-D-R-E, fondre, souvenez-vous, c'est une nasal. Ensuite, c'est un substantif et c'est un substantif féminin. Casserole, une casserole, C-A-S-S, les deux S sont importants, E-R-O-L-E, une casserole. Allez, on continue avec la deuxième chose et c'est sportif aujourd'hui comme hier. On y va, je le lis. Mélanger les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Mélanger les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Alors, je regarde. Voilà les trois choses que nous cherchions. La première chose, c'est un substantif. Souvenez-vous, c'est les œufs. Alors, ça, c'est un mot qui est assez mystérieux, hein, le mot œuf, puisque quand il est au singulier, vous allez le prononcer un œuf. Et vous l'écrivez comme vous le voyez ici, sans le S. Mais quand vous le mettez au pluriel, eh bien, vous allez le prononcer d'une façon complètement différente. Vous allez prononcer œufs. E, ce sera le son que vous allez prononcer. Donc le F n'est pas prononcé, le S n'est pas prononcé. Finalement, vous prononcez une sorte de E, U qui est assez grave. Les E, d'accord? Donc ici, les E, O, E, U, F, S. Hein. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas sur votre clavier le E dans l'eau, donc c'est pas la peine de vous stresser avec ça. Ensuite, mélange. Mélange, c'est un substantif. C'est masculin, un mélange. Le mélange, M-E accent aigu, L-A-N-G-E. Un mélange, et puis le verbe, c'est le verbe blanchir. Verbe du deuxième
groupe. Je blanchis, tu blanchis, il blanchit, SST. Nous blanchissons, vous blanchissez, ils blanchissent. Ça, c'est le présent de l'indicatif. Ici, vous remarquez que jusqu'à ce que, boum, subjonctif, et là, c'est formidable, puisque que je blanchisse, que tu blanchisses, qu'il, elle blanchissent, troisième personne du singulier, B-L-A-N-C-H-I-S-S-E. Allez, si on continue avec les madeleines, j'adore les madeleines. Je ne sais pas si vous aimez les madeleines, mais ça fait partie des choses assez simples, mais délicieusement incroyables. Ajoutez ensuite la fleur d'oranger et 4 centilitres de lait. Ajoutez la farine et la levure chimique. Ajoutez ensuite la fleur d'oranger et 4 centilitres de lait. Ajoutez la farine et la levure chimique. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Allez, je regarde, excusez-moi, en même temps, je suis obligé de préparer l'image suivante, hein, c'est pour ça qu'il y a du travail en permanence. Trois choses que nous cherchions comme d'habitude. La première chose, eh bien, c'est un substantif et c'est fleur. Vous l'avez bien écrit, attention, ça doit être au singulier, pas au pluriel, F-L-E-U. La fleur d'oranger, vous savez, ce goût vraiment très très spécial. Ensuite, c'est encore un substantif et c'est farine. Farine, c'est féminin, la farine, F-A-R-I-N-E, ça vous l'avez bien fait. Et puis chimique, chimique, adjectif, adjectif au masculin ou au féminin, c'est la même forme, C-H-I-M-I-Q-U. La levure chimique. Allez, on continue avec la quatrième chose. La quatrième chose, eh bien oui, on continue avec les madeleines. C'est ensuite le tour du beurre et le restant du lait. Laissez reposer votre pâte pendant 15 minutes. Et ça, c'est fondamental. Hein. C'est fondamental quand vous faites de la boulangerie, de la pâtisserie, il faut laisser la pâte reposer. C'est important. Je répète, c'est ensuite le tour du beurre et le restant du lait. Laissez reposer votre pâte pendant 15 minutes. Allez-y, écrivez s'il vous plaît les mots qui manquent. Alors, que se passe-t-il, Johanna ? Votre musique d'aujourd'hui est comme celle d'hier, me donne envie de pleurer, de me rendre triste et nostalgique. Ah non, parfois c'est de la musique un petit peu plus rythmée, parfois c'est de la musique classique, on a des fois du jazz, on a un petit peu de tout, on a de la musique électronique bien sûr. Aujourd'hui, je me suis dit, on va rester un petit peu dans la même ambiance qu'hier
plutôt tranquille avec de la musique calme, du piano. Demain, peut-être qu'on aura du violoncelle. J'avais envie d'avoir un petit peu de violoncelle aussi, mais pas aujourd'hui. Allez, on regarde ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, eh bien, c'est un substantif, c'est masculin et c'est le beurre. Vous l'écrivez B-E-U-R-R-E. Ensuite, c'est un verbe et le verbe, c'est reposer. Reposer, infinitif, hein, R-E-P-O-S-E-R, ça vous l'avez bien écrit. Et puis finalement, c'était pendant. Pendant, vous l'écrivez bien aussi, P-E-N-D-A-N. Là, il n'y a pas de problème. On continue avec la cinquième étape concernant les madeleines. Et oui, effectivement, Johanna, hein, Madeleine de Proust, nostalgie, il faut pleurer un petit peu, c'est nécessaire. Mais ça fait du bien. Après, on est bien. Allez. Beurrer les moules à madeleine et verser la préparation dedans. Mais pas jusqu'en haut, parce que les madeleines vont gonfler, bien sûr. Beurrer les moules à madeleine et verser la préparation dedans, mais pas jusqu'en haut, parce que les madeleines vont gonfler. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, on regarde ensemble les choses, mais que se passe-t-il? Alors, Fatih Mahiri veut écrire des grossièretés, ça n'est pas raisonnable, Fatih, ça n'est pas raisonnable. Je suis persuadé que votre maman n'apprécierait pas que vous écriviez des choses grossières dans un live comme ça. C'est pas raisonnable, Fatih. Participez au cours plutôt et essayez d'écrire là les mots correctement. Allez, on y va. Regardez, nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, eh bien, c'est beurrer. Beurrer, c'est un verbe régulier du premier groupe, bien sûr, connecté directement au substantif que nous connaissons, le beurre. Donc ça veut dire que vous allez l'écrire de la même façon. B-E-U-R-R, on en met deux. E-R, verbe régulier, premier groupe. Je beurre, tu beurres, il, elle beurre. Nous beurrons, vous beurrez, il, elle beurre. Deuxième chose, eh bien, c'est un substantif et c'est le substantif préparation. Préparation, et vous, c'est un féminin. La préparation, P-R-E, accent aigu, P-A-R-A-T-I-O-N. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est un verbe. Verbe du premier groupe régulier, c'est gonfler. G-O-N-F-L-E. R. Gonfler, c'est le verbe que nous cherchions. Allez, on continue avec la sixième étape de cette recette incroyable. Ça n'est pas grave, Fatih. Participez, c'est une petite dictée. Essayez d'écrire les mots et on va voir si ça marche. Enfourner à 240 degrés et baisser au bout de 5 minutes à 200 degrés. Laissez encore 10 minutes, surveillez bien la cuisson. C'est ça la difficulté, c'est qu'il y a un moment où vous allez jouer avec la température. C'est ça la difficulté des madeleines. Enfournez à 240 degrés et baissez au bout de 5 minutes à 200 degrés. Laissez encore 10 minutes, surveillez
bien la cuisson. Allez, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Allez, on regarde ensemble les mots que nous cherchions. Les voici, les voilà. Trois choses. La première chose, c'est un verbe. Le verbe, c'est enfourner. Hein. Enfourner, c'est le verbe qui correspond effectivement à mettre quelque chose dans le four. Qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent être très vulgaires aujourd'hui. Heureusement que YouTube filtre ces choses-là. Que se passe-t-il avec les gens? Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'est encore, et ça, vous l'écrivez très très bien. Encore, vous l'écrivez, alors, E-N-C-O-R-E. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est cuisson. Cuisson, c'est féminin, et vous l'écrivez C-U-I-S-S-O-N. Alors, Chirine veut probablement nous provoquer d'une certaine façon avec quelque chose d'un petit peu léger. Que se passe-t-il, Chirine? Que se passe-t-il dans votre vie? C'est un petit peu pathétique, mais ça n'est pas grave. On continue avec le numéro 7, Chirine. Essayez de faire la dictée au lieu de nous écrire des choses pas très intéressantes. Allez, on y va. Démouler les madeleines dès la sortie du four. Démouler les madeleines dès la sortie du four. Allez, écrivez s'il vous plaît les mots qui manquent. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui dit le week-end approche, monsieur le prof. Les gens se libèrent. Les gens se libèrent. La tension de la semaine qui doit se libérer. Oui, peut-être. Allez, et c'est bien sûr la dernière étape, mais qui est une étape très importante, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser vos madeleines, quand vous les sortez du four, vous les démoulez directement. Alors la première chose, donc comme d'habitude, on est à la recherche de trois choses. La première chose, c'est démouler, D-E accent aigu, M-O-U-L-E-R, verbe régulier du premier groupe, ça c'est relativement facile. Deuxième chose, eh bien c'est dès. Dès, souvenez-vous qu'on l'écrit avec un accent grave, hein, ça c'est vraiment important. Donc D-E accent grave, S, c'est ce qui va faire la différence, eh bien, avec des, l'article un, une, des. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est le four. Le four, eh bien, vous le mettez, vous l'écrivez F-O-U-R. Four. Alors attendez, Julia, se liber, c'est comme célibaté. Aucune idée. Alors là, Julia, je ne comprends pas votre question. S'il vous plaît, formulez de façon plus claire. Merci. Alors, on en a parlé, mais je crois que c'était Julia qui en parlait et qui disait Fantomas. Eh bien oui, Fantomas, quand on parle des comédies des années 60, hein, on doit automatiquement parler de Louis de Funès, qui a été un personnage très très important dans les années 60, et Fantomas, eh bien écoutez, c'est un grand classique, un grand grand classique. Personnellement, je préfère le deuxième, mais c'est le premier. Le premier, il est vraiment, vraiment très, très bon.
Allez, à vous la parole, à vous la parole. Regardez, s'il vous plaît, expliquez-moi où trouver la colle pour réparer un cœur brisé. Bonjour Désiré, Désiré nous rejoint. Où trouver la colle pour réparer un cœur brisé? À vous la parole, une phrase, merci. Alors, Chériline, l'entraînement en résistance améliorerait les effets de perte de poids de l'exercice aérobie. Avez-vous un équipement pour ça? Non, je ne pense pas. Mais est-ce que ça veut dire que si je monte le tapis, puisque le tapis peut monter pour courir, est-ce que justement nous sommes dans l'optique de d'améliorer les effets pour la perte de poids? Alors, je regarde, et Victoria Jacques qui nous dit, bah oui, ah vous êtes pareil, vous cherchez la colle, que se passe-t-il? Victoria Jacques a dit, j'espère qu'on le trouvera avec le temps. Eh bien oui, moi aussi, je cherche le tube de colle, mais je ne l'ai pas trouvé. Denise qui dit qu'on le trouve en soi-même. Ah bah oui, mais il est où, Denise? Est-ce qu'il faut... À l'intérieur? Le tube de colle est à l'intérieur. Julia, qui a une bonne technique... Vous pouvez essayer la marmelade. Peut-être prendre les morceaux et on met de la marmelade. Peut-être que ça peut fonctionner. C'est peut-être ça, finalement. La colle pour réparer les cœurs brisés, c'est de la marmelade. Johanna qui dit, on a besoin d'amour, de compréhension mutuelle et bien sûr de musique. Alors, Michel qui nous dit, alors ça c'est une théorie intéressante, Michel. Il faut trouver un autre cœur qui est brisé. Ah, donc deux cœurs brisés vont coller pour réparer. C'est possible, je ne sais pas. Yossi qui dit au supermarché. Au supermarché, c'est dans l'allée numéro 8. Juste avant la ficelle pour le gigot. Yessero qui nous dit, on pourrait trouver la colle d'un nouveau, ou d'une nouvelle amante. Ah, c'est possible alors. Ah, donc la personne pourrait avoir le tube de colle. Ice Cubes qui dit, malheureusement, il n'y a pas un endroit que j'ai connu, monsieur. Que se passe-t-il, Ice Cubes? Vous connaissez beaucoup de choses. Vous avez l'habitude peut-être d'aller dans les magasins. Il y a probablement un magasin où il y a cette colle. Hillary, au magasin, acheter du chocolat. Alors ça, c'est bon, Hillary. Ça veut dire que, et c'est vrai que c'est une théorie très intéressante. La théorie de Hillary, c'est que c'est finalement du chocolat. Le chocolat serait la colle pour réparer les cœurs. Et pourquoi pas, Hillary? C'est une très bonne théorie. Omar, peut-être avec un autre cœur ou dans un magasin chinois, nous dit Omar. Merci. Et Olga qui dit, juste du temps et marcher. Ah, c'est ce que j'essaye. Stella qui dit, à mon avis, le temps aide énormément, plus la réalisation de tout ce qui se passe et pour une raison particulière dans la vie. Très bien. Alors là, Stella, c'est très, très, très sérieux. Merci beaucoup. J. Vincent qui nous dit, peut-être qu'on peut trouver ça sur Amazon. Eh bien, il faut chercher. Il faut chercher, peut-être que c'est ça. Mélissa Madrid qui dit, il faut aller directement chez le créateur. Pas tout de suite, Mélissa Madrid. On attend un petit peu. Stardust qui dit, je répare les cœurs brisés en supprimant de ma vie tout ce qui me rappelle ces personnes, mais aussi en parlant à des personnes en qui j'ai confiance. Eh oui, ça marche, je pense. Gloria, il faut trouver une super colle. Bah oui, mais Gloria, où?
où, Gloria? Où est le magasin? Sophia, essayez de peser ce que votre vie et les enfants sont plus importants. Il y a toujours une deuxième fois. Oleg, bonjour, bonjour. Alors, Oleg, la théorie... ah, c'est une théorie radicale pour Oleg, c'est-à-dire il faut une opération à cœur ouvert. Oh. Ah ben là, c'est dangereux. C'est dangereux, Oleg. Attention. Fatih qui dit, l'amour, c'est toujours notre remède. Eh ben peut-être. Peut-être, Fatih, peut-être que vous avez la raison, la solution. Fatima qui dit, passer du temps peut aider. Roman qui dit, donnez-lui le temps de sentir à quel point nous sommes importants dans sa vie. Et puis, allez avec un cadeau et demande-lui une nouvelle chance. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Cherylyn, acheter un adhésif chirurgical dans la salle d'opération. J'étais sûr que Cherylyn, elle aurait une bonne réponse, mais très pratique. Peut-être que ça doit exister, Cherylyn. Vous qui êtes une spécialiste, oui, un adhésif chirurgical. Eh bien, voilà, on va essayer ça. Alors, Luciana qui a deux recommandations. Le vin et le chocolat. Eh ben pourquoi pas. Renato, nous pourrions la trouver dans notre famille, ensuite chez le psychanalyste ou chez la pharmacie. Ça fait beaucoup de pistes très intéressantes à explorer. Alberto, il n'y aura d'autre cœur meilleur avant le chemin. D'accord. Denise, qui dans une quincaillerie. Tout simplement. Dans une quincaillerie, la même chose, Denise, hein, à les 5. Et puis juste avant les escabeaux, c'est là que ça se trouve. Johanna qui dit au risque de développer un diabète. Avant, on choisit, après, on choisit la maladie d'amour ou le diabète. Cosmina qui nous dit, je ne comprends pas la notion de cœur brisé. À mon avis, si quelqu'un essaye de me trahir, de me faire du mal, alors c'est lui qui doit avoir la honte, être déprimé parce qu'il a fait du mal, ce n'est pas moi. Tant que j'ai la conscience tranquille, je n'ai pas le cœur brisé. Dénora qui dit, passez-vous, c'est irréparable. Ah, donc pour Dénora, c'est irréparable, c'est fini. Si c'est cassé, eh ben voilà, c'est cassé. Allez, on y va, on change de sujet. Trouvez un mot qui commence avec DR, s'il vous plaît, allez-y. Allez, c'est Omar qui commence. Merci Omar. Un drapeau, nous dit Omar. Michel qui nous dit prendre. Benter qui nous dit droit, effectivement. Alors droit, c'est intéressant parce que ça pourrait être adjectif, droit ou droite. Ça peut aussi être un substantif, hein. Le droit d'avoir quelque chose. Michel qui nous dit tendre. Oui, idéalement, Michel, c'était au début, le DR. Mais bon, soyons tolérants. Yesero, un drapeau aussi. Renato, drôle l'adjectif, masculin ou féminin. Sophia X, dramatique, masculin ou féminin, c'est la même forme de cet adjectif. Michel qui nous dit un drapeau aussi. Alors Michel, juste un mot s'il vous plaît, merci. Alberto, dramatique aussi. Luciana qui nous dit dramatique. J. Vincent, un dromadaire, ça c'est sympathique ça, un animal formidable. Denora qui nous dit drôle. Romande qui nous dit découvrir, du verbe découvrir. Mélissa qui nous dit
drastiquement. Hillary qui nous dit un dragon. Gloria qui nous dit un drone. Lynn qui nous dit drôle. Yossi qui nous dit une droguerie. Effectivement, il y en a de moins en moins. Les drogueries, ça existait encore quand j'étais jeune et je ne suis pas plus jeune, vraiment. Ça a presque totalement disparu. Alors, Cosmina, le Dromaeosaurus. Ouais. Oui, si vous voulez. Cosmina, un jour, il faudra proposer des mots qui sont des mots qu'on utilise vraiment. Yulia qui nous dit un dragon. Fatima qui nous dit un dressage. Berilla qui nous dit une draperie. Stardust qui nous dit drôle. Eh ben oui, un petit peu de joie. Ha ha ha. Dans notre vie, ça fait pas de mal. Vouslat qui nous dit un drap. Johanna qui nous dit drôlin, drôlin. Ice Cubes qui nous dit une drôlerie. Allez, merci beaucoup. Alors, je vais insister parce que je vois qu'il y a clairement une grosse différence entre presque 100 personnes qui regardent et 60 clics sur le like. Je n'ai pas insisté jusqu'à maintenant. Vous le savez, notre objectif, c'est d'avoir 100 likes pour ce cours. Normalement, c'est possible. En général, on y arrive. Là, si tout le monde clique, j'imagine qu'on va s'approcher très très sérieusement décent, donc n'hésitez pas à cliquer sur like. Merci beaucoup. Allez, on y va avec la dictée de nombre. La dictée de nombre, et bien sûr, je ne vais les lire qu'une seule fois puisque nous sommes à un niveau intermédiaire. Surtout le premier. Le premier, et bien c'est un chiffre et c'est 5. Écrivez-le, s'il vous plaît. Alors, pour le moment, tout va bien, effectivement. Hein. Donc, je dis bravo, 5. Nous sommes d'accord que vous l'avez ici, à votre écran, et c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. On continue avec le deuxième. Le deuxième, vous aurez 2 chiffres. Je vais ne le lire qu'une seule fois, si vous voulez bien. 77. Allez-y. Alors oui, pour l'instant, c'est clair, il n'y a pas de problème. 77, hein, c'était bien sûr pour vous tester encore une fois. 7 et 7, 77. Pas de problème, on continue numéro 3. 3 chiffres, une seule lecture. Attention, 305. Écrivez-le s'il vous plaît. Alors, je regarde, ça commence à arriver. Omar est en première position. Hein. Omar est très, très en forme aujourd'hui. Ça fait plaisir à voir, Omar. Pas de problème de dos? Non, c'est fini. Un homme en forme, Omar. Je dis bravo.
Et félicitations, 305, très bien écrit. 305, 305, 305. On continue avec numéro 4. Numéro 4, 4 chiffres, une seule lecture. Attention, 9072. Alors maintenant c'est Michel. Hein. Michel est très en forme et je dis bravo Michel. Et c'est très bien écrit Michel, félicitations. Juste après Victoria Jacques qui est en super forme aussi. Cosmina qui suit Ice Cube, Sherilyn, Yossi, Vouslat. Oups, attention Vouslat, vous étiez un petit peu trop dans la générosité. 9072 9072 9072. On continue avec le cinquième. Cinquième, cinq chiffres. Et bien sûr, encore juste une seule lecture. Attention. 51207. Allez-y. Alors, Yessero, Vincent, pourquoi vous ne faites plus l'exercice où nous essayons de deviner le nombre dans sa tête? Bah parce que Yessero, c'était, c'était quand je faisais les cadeaux avec l'accès à la plateforme. Mais peut-être, vous avez une bonne idée, Yessero, peut-être que je devrais refaire quelques cadeaux, ça pourrait être sympathique. Allez, le nombre que nous cherchions, eh bien, c'était 51207. 51207. 51207. Merci beaucoup. Alors personnellement, je ne suis pas un grand fan d'Alain Delon comme acteur ou comme personne, mais c'est un acteur, c'est un personnage incontournable du cinéma français. Le Samouraï, c'est un film de Melville. Vous savez, cet homme avec les grosses lunettes de soleil qui a fait eh bien, des polars qui étaient assez notables dans le cinéma français. Le Samouraï, c'est un classique. Regardez-le si ça vous intéresse. Personnellement, ça n'est pas ma tasse de thé. Allez, à vous la parole, à vous la parole. Comment reconnaître une personne égoïste? Le savez-vous? Comment pouvez-vous reconnaître une personne égoïste d'un autre? Ice Cube qui nous dit « Ma mère, regardez Alain Delon !» Eh bien oui, eh bien oui. Ah ben il était beau, il était beau. Thank you.
Alors, Julien qui confirme, oui, Alain Delon et Romy Schneider pour les femmes. Ah, donc Julia, elle a un petit faible pour Alain Delon. Victoria Jacques qui nous dit « Ils se soucient toujours d'eux-mêmes et de personne d'autre ». Victoria Jacques, elle est équipée, elle a son détecteur. Et là, je dis bravo. Johanna qui nous dit « Je me rends compte quand une personne est égoïste d'après ses gestes et ses pensées envers moi ou bien envers les autres autour de lui ». Alberto, ces personnes seulement ou pensent seulement, hein, l'adverbe après le verbe, à eux-mêmes et non aux autres. Grace qui dit « Ils sont difficiles avec l'argent ». Ice Cube qui dit « S'il commence toujours la phrase avec « je » ou « moi », il est égoïste. Ou alors Ice Cube, il y a des personnes même qui combinent et qui disent « moi, je ». Ça, c'est grand classique. Les grands classiques. Benter, c'est toujours à propos d'eux. Yossi, s'il n'agit que pour son propre bien. Hillary, la personne qui ne pense qu'à lui-même. Luciana, une personne égoïste ne te demande rien si tu as besoin de quelque chose ou d'aide. Mélissa Madrid, normalement les personnes égoïstes n'acceptent, pluriel ENT, pas les remarques négatives. Yesero, on peut reconnaître une personne égoïste par le fait qu'il porte un miroir dans sa poche. Alors ça, c'est formidable, Yesero. Probablement le miroir, comme ça, dans la poche et hop, toujours pour se regarder. Sophia, s'il parle toujours avec le mot « je ». Olga, cette personne ne pense qu'aux choses dont il a besoin. Romain, nous pouvons reconnaître une personne égoïste de la façon dont elle ou il parle et comment il pense aux autres. Dénora, une personne qui ne peut pas écouter les autres. Tout est à propos de lui ou d'elle. Stardust, je ne sais pas, car il devient clair avec le temps ce qu'est une personne, vraiment une personne. Peut-être que vous pouvez le dire à la façon dont il traite les autres. Ah ben c'est pas facile. Cheryline, une personne égoïste ne fait des choses que lorsqu'elle peut s'attendre à quelque chose en retour. Alors Ice Cube, s'il conserve l'argent comme Gollum. Et voilà, il est égoïste aussi. Comment c'était? C'était ma précieuse. Ma précieuse. Cosmina, une personne égoïste pense toujours et seulement à elle-même. Trouve des motifs pour ne pas être présente. Quand vous demandez sa présence, c'est aussi une personne narcissique et toujours manipulatrice. Omar, une personne égoïste, c'est facile à reconnaître quand on est avec lui, mais pas toujours à première vue, d'accord? Céleste qui nous dit, il ne connaît d'autres personnages que lui-même. Moria Hume, pardon, qui nous dit, une personne égoïste veut toutes les choses pour lui, ça c'est vrai. Victoria Possé, la personne égoïste est connue immédiatement, car il lui coûte de donner jusqu'au bonjour. Alors on sent le... Ah, oui, l'expérience, Oucha n'est pas le bonjour. Julia, égoïste, ce n'est pas une personne qui vit comme elle veut. Égoïste, c'est la personne qui veut que les autres vivent comme elle veut et fait ce qu'elle veut et comme elle veut. Très bien.
Ou Chanepal qui dit « Hier, je suis allé au cinéma et je dis bravo. Si les cinémas sont ouverts, allez-y, allez-y. » Vous, cela, une personne égoïste ne pense qu'à lui-même ou elle-même et en observant ses gestes, son comportement envers les autres, on peut le reconnaître. Fatima qui nous dit « L'égoïste n'écoute pas ce que les autres ont à dire. » Yulia qui se justifie. Alain Delon, non, 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 c'est pas moi, dit Yulia. Mon œil, c'était ma mère qui l'aimait. Moi, je préfère Jean-Marc ou plutôt Louis Garrel. Louis Garrel, il est pas mal. Il est pas mal, Louis Garrel. Un côté très fin, très subtil. Il est formidable, cet homme. Cheryline, je serais heureuse de vous prescrire des exercices de poids. On y va, Cheryline. On passe à l'exercice suivant, merci. Alors, Roman doit nous quitter. Au revoir, Roman. Et bonjour à votre coiffeur ou votre coiffeuse. Le style indirect, on avait déjà travaillé dessus et on continue. Attention, le concept est simple, c'est-à-dire sur le principe. Nous allons transformer le direct « qu'est-ce que ?» en indirect « ce que ?» D'accord ? Sur le papier, c'est simple. Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est simple avec quelques exemples. Et on commence avec la première. Regardez. Qu'est-ce que tu penses de ce film ? Elle lui demande... Continuez la phrase en indirect, s'il vous plaît. Alors, Yulia, Jean Marais, parlons de Fantomas. Jean Marais, bel homme. Très, très bel homme. Excusez-moi, vous, Slat qui nous dit Alain Delon jouait très bien dans Borsalino et dans Le Gitan. C'est vrai que dans Borsalino, à mon avis, il était très très bon. Il y a aussi un autre film dans lequel j'aime beaucoup Alain Delon, c'est dans le Clan des Siciliens, où là, je trouve qu'effectivement, il a vraiment un rôle très très intéressant. Effectivement, hein. Donc on est d'accord que ici je voulais, quand j'ai mis le M, ça voulait dire masculin pour le lui, hein, parce que c'est un pronom complément d'objet indirect, et donc on ne sait pas si c'est masculin ou féminin, mais en tout cas l'idée c'était ça. Elle lui demande ce qu'il, hein, on est d'accord qu'ici c'est masculin, comme je vous indiquais, pense de ce film. Pour le moment, tout va bien, pas de problème. On continue avec la deuxième phrase. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? On va rester sur la même logique. Elle lui demande. Lui, ce sera masculin, bien sûr, singulier. Allez-y. Thank you.
Alors, je regarde ce que vous écrivez et c'est formidable, apparemment. Auriez-vous besoin de cet exercice? Je ne suis pas sûr. Non, c'est très bien, vous l'avez très très bien écrit. Donc, elle lui demande, et bien sûr l'idée c'est que le « lui » c'était masculin singulier, donc bien sûr notre sujet sera « il ». Elle lui demande ce que « il », le « e » doit disparaître, vous mettez l'apostrophe, ce qu'il aime dans la vie. On continue avec le numéro 3, exactement la même logique, on reste systématique. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Elle lui demande, allez-y. Alors, je regarde, oui, c'est bien, pas de problème, effectivement. Donc, elle lui demande, encore une fois, ce que le « e » doit disparaître. Vous mettez l'apostrophe, il va faire ce soir. Donc ici, on est effectivement dans du futur proche, il va faire. Elle lui demande ce qu'il va faire ce soir. Allez, si on continue avec le numéro 4, qu'est-ce que tu as regardé hier? On est dans le passé composé, allez-y. Alors, Aditi Bhatta, I'm sorry, but could you explain in English also because I'm having a hard time understanding. And it's normal if you don't really get everything because this lesson is only in French. And this is the idea. Tomorrow it will be for advanced, so it means that it will be only in French too. But keep in mind that next week, so on Monday, it will be for beginners, so it will be in English and in French. I will use both languages, and then it will be exactly the same thing on Thursday. Okay, so Monday and Thursday, it will be in English and in French. The other days, it will be only in French because this is the idea of the lessons. Voilà, Adi. Alors, Julia qui dit « Oh, j'ai oublié Vincent Cassel !» Julia, j'ai vu hier Vincent Cassel, j'ai regardé deux films. Est-ce que c'était Ocean 12 et Ocean 13 ou Ocean 11? Je ne me souviens plus, mais il était là. Il était là, le beau Vincent Cassel, incroyable. Ah oui, très bon acteur, hein. Allez, on regarde. Donc ici, la question, qu'est-ce que tu as regardé hier? Qu'est-ce que tu as regardé hier? On va reprendre. Elle lui demande ce que, donc là on est d'accord, le « e » disparaît, vous mettez l'apostrophe et vous remettez tout simplement votre phrase au passé composé. Il a regardé hier. Elle lui demande ce qu'il a regardé hier. Allez, on va finir avec le numéro 5. Le numéro 5, eh bien ici, j'avais envie d'introduire un petit conditionnel présent avec un infinitif après. Qu'est-ce que tu voudrais manger ce soir? Elle lui demande, continuez la phrase.
Alors, Julien qui dit « Oh, je suis tombée amoureuse avec Vincent Cassel après le film Mon Roi ». Je comprends, parce que Julia, si vous m'aviez dit « Je suis tombée amoureuse de Vincent Cassel après La Haine », là, j'aurais eu un petit doute. Allez, on regarde ensemble la phrase que nous avons transformée et que nous avons fait passer du direct en indirect. Ici, elle lui demande ce que, puisque c'était l'idée de l'exercice, il, le « e » comme d'habitude, s'en va, vous mettez l'apostrophe, ce qu'il, et on continue notre structure tranquillement. Elle lui demande ce qu'il voudrait manger ce soir. Et ça, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous voudriez manger ce soir? Ça, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous voudriez manger ce soir. Vous avez une petite minute pour m'écrire une phrase. Allez-y. Alors, Johanna qui continue sur effectivement ce sujet qui est inépuisable concernant Alain Delon. Johanna nous dit, mais Alain Delon, le type brun, avec les yeux bleus, est unique dans le monde des acteurs. Ah, ça dépend. Vous avez vu son fils? Son fils est aussi acteur. Il a exactement les mêmes mimiques que son père. Alors, regardons Chériline qui nous dit, eh bien, monsieur... J'ai déjà mangé, je ne veux plus manger. Chériline est très, très raisonnable. Johanna qui nous dit, j'aimerais manger une casserole de yaourt avec des céréales. Est-ce qu'une casserole? Une casserole vraiment? Ou un bol peut-être? Peut-être un bol. Parce que la casserole, Johanna, suppose que vous allez réchauffer. Je ne sais pas. Est-ce que vous réchauffez votre yaourt ou pas? Si vous ne le réchauffez, c'est peut-être un bol. Ensuite, Hillary qui nous dit peut-être des boulettes de viande. Ça pourrait être sympa. Avec quoi? Victoria Jacques qui nous dit je voudrais manger du cassoulet. Oh, bof. Alors Victoria Jacques, un jour, il faudra qu'on se retrouve autour d'une table. Tous les deux, vous en face de moi, et on va manger des choses qui clairement ne sont pas diététiques, mais ça c'est pas grave. On est là pour manger, on va attaquer le cassoulet et on va finir avec une choucroute au soleil. Mélissa Madrid, oh, j'aimerais manger du kebab. Oh, ah, le kebab c'est formidable aussi. Benter, un bœuf bourguignon. Alors, vous savez, Benter, j'ai découvert que c'est possible, et je vais tester, c'est possible de faire un poulet bourguignon. J'ai pas testé encore, et je vais le tester bientôt. Yesero, j'aimerais manger du poulet et des frites. Eh bien, délicieux, délicieux. Adriane qui dit, je voudrais manger un McDo. Eh bien, voilà, un McDo, ça fait toujours plaisir quand on a envie d'avoir un McDo. Yossi, j'ai lu que le futur proche... Ah Yossi, là, on n'est plus dans la grammaire pour l'instant. On est dans la nourriture. Vouslat, je voudrais manger des boulettes avec du riz et de la salade. Eh oui, des boulettes de viande peut-être. Ah non, ou des boulettes de riz et de salade. Ça peut être pas mal. Johanna qui dit non, je le mange tout froid, donc c'est plutôt un bol. Julia, ma soirée, ce sera du vin avec du fromage. Peut-être un film de votre recommandation. Fromage, quel fromage, Julia, il faut le dire. Victoria Jacques qui accepte, qui relève le défi. Il faudra faire mais trois plats, c'est plus... Donc cassoulet, choucroute, il faut trouver un troisième plat, mais quelque chose de vraiment lourd, hein. Pas quelque chose de très léger. Il faut vraiment des choses très très lourdes. Bœuf bourguignon, pourquoi pas? Ou alors,
de la poule au pot, quelque chose de vraiment lourd. Hein. Renato, je voudrais manger une dorade royale avec des pommes au four, ça c'est bon. Margaret, je voudrais manger une pizza avec un coca. Oh, une bonne pizza, un bon coca, moi je vais sur le coca zéro, mais c'est pas grave, ça c'est délicieux. Cosmina, aujourd'hui j'ai déjà mangé avant le cours, alors pour ce soir, juste une pomme ou une mangue, peut-être, effectivement. Omar, je voudrais manger des fruits avec de la crème au miel. Ah oui, ça, c'est pas mal. Victoria Possé, j'aimerais manger une viennoiserie, un millefeuille. Oh, alors, j'ai vu des variations de millefeuille incroyables. Des choses assez formidables. Et traditionnellement, le millefeuille est quand même horizontal. J'ai vu des variations verticales qui ont l'air très intéressantes. Michel, j'aime bien me promener. Ah bah oui, mais on parle de nourriture. Denora, mes choix sont limités. Je n'ai pas de transport aujourd'hui, je vais mourir de faim. Mais non, que se passe-t-il, Denora? Denora va mourir de faim, ça n'est pas possible. Sophia, un canard pékinois, ça, ça peut être sympa aussi. Stardust, j'aimerais manger ce que j'ai cuisiné aujourd'hui. Un boulgour à la tomate et au yaourt, ah, ça c'est pas mal. Cosmina qui nous dit, ah, qui discute. Yossi, c'était la question, nous sommes ici pour poser des questions. Ah mais oui, mais Yossi, on parle de nourriture maintenant. Grace, je voudrais manger un poulet avec des frites. Olga, une soupe de poule avec des légumes et du riz. Bœuf bourguignon. Julia, c'est vrai. Victoria, on a les trois plats. Cassoulet comme entrée. Choucroute, plat principal, et le bœuf bourguignon en dessert. Ça, ça peut être effectivement sympathique. Allez, merci beaucoup. Alors effectivement, les années 60 ont été, en termes de comédie, quelque chose d'assez important pour Louis de Funès. Hibernatus est un grand, grand classique des films avec Louis de Funès. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Allez, trouvez un mot, s'il vous plaît. Trouvez un mot avec cette vidéo. Regardez la vidéo, essayez de trouver juste un mot, pas une phrase, s'il vous plaît, un mot. Comme ça, ce sera beaucoup plus rapide. Merci. Alors, regardons ensemble. Victoria Jacquet attaque directement parce qu'elle sait maintenant qu'on a un défi avec trois plats incroyables, déménager. Ah, il faudra qu'on fasse du sport après, mais c'est pas grave. Omar, monter. Benter qui nous dit un couple. Yesero qui nous dit soulever. Luciana qui nous dit un accident. Johanna qui dit ouf. Ça rappelle des bons souvenirs. Hein. Les souvenirs de déménagement, c'est incroyable. Alberto, déménager, verbe régulier. Denora, une arrivée, très bien. Moriaum, porter. Julia qui nous dit des boucles. Eh oui, les fameuses boucles. Spécialiste de la boucle. Margaret qui nous dit lourd. Renato qui nous dit un escalier. Chris qui nous dit aller ensemble. Mélissa qui dit un aménagement.
Adriane qui nous dit un escalier. Hillary qui nous dit un escalier aussi. Sharky qui nous dit « Je voudrais manger un croissant ». Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des croissants, Sharky, des croissants totalement différents maintenant, avec des goûts, etc. C'est assez impressionnant à goûter. Vous, cela, une chambre. J. Vincent, déménagé. Lynn, déménagé aussi. Victoria Possé qui nous dit « Un escalier ». Athé qui nous dit « Déménagé ». Stardust qui nous dit « Monter les escaliers, oui, vers l'arrière. » Eh oui, c'est toujours une question de positionnement. Il y a des gens qui peuvent le faire et il y a d'autres qui ont du mal. Cherylline, tout de suite, qui anticipe les difficultés potentielles, la hernie discale, monsieur. C'est comme ça que ça va se terminer. Cosmina qui dit « Bon travail, la femme devant pour porter tout le poids et l'homme après. » Alors le mot « indestructible ». Mais les femmes sont fortes et voilà. Et c'est l'égalité. Parfois c'est comme ça. Je ne sais, oui, est-ce que c'est vraiment tout le poids? On pourrait se poser la question, Cosmina, c'est discutable. Olga qui nous dit une caisse et Grace qui nous dit ils ont emmené une grande boîte. Merci beaucoup. Alors un grand classique, on en a parlé de Belmondo, oui, mais de Godard. Pierrot le Fou, bon, on aime ou on n'aime pas Godard. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de Godard, mais c'est difficile de l'éviter. Donc, si vous voulez découvrir le cinéma français, spécialement toute cette période de la nouvelle vague, je vous invite à découvrir Pierrot le Fou. Allez, le livre du jour. Le livre du jour, alors c'est un livre de Rachel Kahn. Et c'est un livre qui est très très intéressant. J'ai vu une interview d'elle qui était vraiment vraiment très intéressante. Le livre s'appelle « Racé ». On attaque comme d'habitude eh bien, avec plusieurs choses. Pour vous présenter ce livre, je vais lire et vous allez chercher les mots qui manquent. Première chose. On est tous des additionnés, affirmait Romain Gary dans son livre Pseudo. Rachel Kahn ne le sait que trop bien. On est tous des additionnés, affirmait Romain Gary dans son livre Pseudo, Rachel Kahn ne le sait que trop bien. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ensemble. Alors, la première chose, faites attention parce qu'effectivement, je remarque qu'il y a quelques petites erreurs. Alors, c'est le verbe affirmer, nous sommes d'accord. Mais là, on le met à l'imparfait. Imparfait, troisième personne du singulier, affirmait. A-I-T, il affirmait. Nous parlons ici de Romain Gary. Donc, A-F-F-I-R-M-A-I-T. T, affirmait.
Ensuite, c'est un substantif, et le substantif, eh bien, c'est livre. Livre, vous l'écrivez L-I-V-R-E, et c'est masculin. Et puis la dernière chose, c'est le verbe savoir que vous conjuguez à la troisième personne du singulier, S-A-I-T, c'est. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant ce livre. Noir, gambienne, d'origine musulmane et catholique par son père, blanche, juive et française par sa mère, elle est fière de se dire racée. Noir, gambienne, d'origine musulmane et catholique par son père, blanche, juive et française par sa mère, elle est fière de se dire racée. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ensemble les mots que nous cherchions. La première chose, eh bien, c'est un adjectif. Alors, l'adjectif, souvenez-vous, musulman au masculin. Vous allez rajouter le « e » pour le féminin et vous obtenez « musulmane ». Alors, c'est très, très intéressant parce que phonétiquement, le masculin musulman « an », c'est nasal. « An, 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 an ». Le féminin, vous rajoutez le « e » et vous obtenez « Anne. Et ça, c'est fondamental, la différence de prononciation. Musulmane, M-U-S-U-L-M-A-N-E. Ensuite, adjectif aussi, juive. Très intéressant parce que le masculin, c'est juif, J-U-I-F. Le féminin, juive, comme sportif, sportive, juif, juive, J-U-I-V-E. Vraiment le féminin puisque nous parlons eh bien, de Rachel et Rachel est une femme. Et puis la dernière chose, c'est l'adjectif fier. Alors fier, très intéressant parce que au masculin, vous l'écrivez F-I-E-R, mais on le prononce exactement de la même façon que le féminin, F-I-E, accent grave, R-E, fier. Voilà, on continue avec le numéro 3. Numéro 3, mais comment vivre cet excès de race à l'heure où les replis identitaires, où la seule radicalité importe. Mais comment vivre cet excès de race à l'heure des replis identitaires où seule la radicalité importe? S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons les trois choses qui manquaient. La première chose, eh bien, c'est un substantif et c'est
un excès. Alors, ce n'est pas très très facile à écrire, hein, c'est spécialement si vous ne l'avez jamais vu. Souvenez-vous que excès, vous allez l'écrire. Regardez sur votre écran. E-X-C. E, accent grave, S. On ne prononce pas le S final et vous prononcez vraiment excès. Excès, excès. Un excès. On peut l'utiliser aussi quand vous conduisez trop trop vite. C'est un excès de vitesse. Alors ensuite, c'est un adjectif identitaire. Identitaire, c'est clair. Masculin, féminin, c'est la même forme. Ici, c'est le pluriel avec un S à la fin. Identitaire, I-D-E-N-T-I-T-A-I-R-E-S. Et puis, la dernière chose, c'est un substantif et c'est la radicalité. La radicalité, vous l'écrivez R-A-D-I-C-A-L-I-T-E, accent aigu. La radicalité. Allez, on continue avec le numéro 4. Numéro 4, comment se positionner avec ce pédigré alors que l'injonction est de choisir un camp. Comment se positionner avec ce pédigré alors que l'injonction est de choisir un camp? Allez-y. Alors, Mélissa Madret, désolé, je suis en train de commander le livre. Il semble très intéressant. Il est intéressant. Si vous voulez regarder, il y avait une interview qui était vraiment très, très intéressante de Rachel Kahn sur une chaîne qui s'appelle TMC. Et l'émission s'appelle Le Quotidien. J'ai oublié, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines que j'avais vu l'interview, mais c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Regardez en tout cas, lisez le livre si vous voulez. Allez, comme d'habitude, à la recherche de 3 choses. La première chose, c'est un verbe, et le verbe, c'est positionner. C'est un verbe pronominal, se positionner. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de l'écrire à l'infinitif. P-O-S-I-T-I-O-2-N-E-R. Ensuite, c'est injonction. Souvenez-vous, injonction, eh bien, c'est féminin, comme tous les mots en ion. Une injonction, I-N-G-O-N-C-T-I-O-N. Hein, souvenez-vous, T-I-O-N, c'est vraiment le sion, sion, sion qu'on va prononcer. Et puis la dernière chose, c'est un substantif et c'est un camp. Masculin, C-A-M-P. Un camp, le P final, bien sûr, n'est pas prononcé. On continue avec ce livre qui est franchement, qui a l'air en tout cas très intéressant. À travers une série de mots et d'expressions politiquement correctes, Rachel Kahn pose un regard tant critique que malicieux sur notre époque qui interdit toute forme de nuance. À travers une série de mots et d'expressions politiquement correctes, Rachel Kahn pose un regard tant critique que malicieux sur notre époque qui interdit toute forme de nuance. Allez-y. Alors, Benter, non. Benter, où est-ce que nous pouvons trouver les livres? Les livres, je les propose
presque chaque jour. En général, peut-être pas pour les niveaux débutants, mais je propose des livres, j'essaye de proposer des livres très très régulièrement. Alors, ouais, on regarde ensemble. Donc là, comme d'habitude, hein, trois choses à trouver. Bon, la première chose, travers, vous l'avez bien écrit, T-R-A-V-E-R-S, ça c'est travers. Correct, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que finalement, correct, notre adjectif, ici, il est clairement connecté à, eh bien finalement, une série d'expressions. Expression, c'est féminin. Ça veut dire que c'est féminin et c'est pluriel. Et donc, correct, vous devez le mettre au féminin, pluriel, CORRECTES. Ça doit être au féminin, pluriel. Et puis, la dernière chose, c'était malicieux, que je trouve assez sympathique. MALICIEU. X. Malicieux, donc ici c'est au masculin parce que c'est regard. Regard c'est masculin, donc malicieux doit être au masculin. Si c'était le féminin, souvenez-vous, ce serait malicieuse. D'accord, mais c'est vraiment malicieux. On continue, on continue. Ah, pardon! Johanna, vous avez raison, excusez-moi, mais c'est classique, hein. Toujours une petite erreur. Sinon, ce serait un petit peu triste. Vous avez raison, Johanna, regardez. Tic, tic, il y en avait quatre, il y en avait quatre, excusez-moi. Voilà, j'ai corrigé. Le quatrième, on va imaginer que je ne l'avais pas oublié, et c'est un substantif, et c'est une époque. Époque, vous l'écrivez E, accent aigu, POQUE, et c'est donc féminin, une époque. Merci beaucoup, Johanna, pour... pour m'aider. Allez, on continue avec le numéro 6. Elle condamne les mots qui séparent, présentés comme des outils indispensables pour combattre le racisme. Ils enfoncent en fait le couteau dans les plaies qu'ils prétendent cicatriser. Elle condamne les mots qui séparent, présentés comme des outils indispensables pour combattre le racisme. Ils enfoncent en fait le couteau dans les plaies qu'ils prétendent cicatriser. Allez-y. Il y en a qui disent, est-ce que je suis tombé amoureux? C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai posé la question sur la colle. Alors là, non, mon cœur est en mille morceaux. Surtout pas l'amour, c'est pas pour moi. Merci beaucoup. Alors, regardons, on en avait quatre là. La première chose, eh bien, c'est indispensable. Indispensable, c'est un adjectif. L'adjectif, il doit être connecté à outil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que outil, c'est masculin, mais c'est aussi pluriel. Indispensable, que ce soit au masculin ou au féminin, vous allez l'écrire de la même façon pour le singulier. Pour le pluriel, vous avez juste à rajouter le S à la fin. I NDISPENSABLES pour le pluriel. Ensuite, c'est un substantif. Le substantif, eh bien, c'est racisme. Et c'est masculin, comme tous les mots en isme, hein, racisme, communisme, capitalisme, etc. C'est toujours du masculin. RACISME.
SME, le racisme. Et puis la troisième chose, couteau. Eh bien, couteau, c'est masculin. Un couteau, c'est O-U-T-E-A-U, un couteau. Et la dernière chose, eh bien, c'est un verbe qui, logiquement, est un infinitif, puisqu'il est juste après le verbe prétendre. Le verbe prétendre est conjugué, et après, ça doit être O à l'infinitif. C-I-C-A-T-R-I-S-E-R. Cicatriser. Allez, on y va. Numéro 7, ça continue. Un livre assez intéressant, à mon avis. Moi, je vous invite à le... En tout cas, ce qu'elle a dit dans l'interview, c'était vraiment sympa. Mais elle défend avec force les mots qui réparent, qui, eux, rétablissent le dialogue, favorisent la pensée non unique et unissent notre société. Mais elle défend avec force les mots qui réparent, qui, eux, rétablissent le dialogue, favorisent la pensée non unique et unissent notre société. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, on regarde, on est à la recherche de trois mots ici. La première chose, eh bien, c'est le verbe défendre que vous conjuguez. Et le verbe doit être conjugué à la troisième personne du singulier, elle. Elle défend, D-E, accent aigu, F-E-N-D. Ensuite, c'est le verbe rétablir. Le verbe rétablir, verbe du deuxième groupe, je rétablis, tu rétablis, il rétablit. I-S-I-S-I-T. Nous rétablissons, vous rétablissez, ils rétablissent, I-S-S-E-N-T. Donc vous l'écrivez comme ça, R-E accent aigu, T-A-B-L-I-S-S-E-N-T. Pluriel. Et puis la dernière chose, c'est le verbe unir. Encore un verbe du deuxième groupe. C'est la même chose, unis, U-N-I-S-S-E-N-T. N-T. Et voilà, c'était le livre de Rachel Kahn et qui s'appelle Racé. Si ça vous intéresse, je vous invite eh bien, à le découvrir. Merci beaucoup. Alors dans les années 60, il y a des choses intéressantes. Buñuel, c'est un grand classique. C'est un réalisateur qui a fait des choses plus ou moins intéressantes à mon avis. Mais bon, un grand film avec Catherine Deneuve qui s'intitule, qui s'appelle Belle de jour. Bon, regardez si ça vous intéresse. Bon, c'est les années 60, hein. Allez, on continue avec le style indirect. Le style indirect, souvenez-vous, on avait fait ce que. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se transformer en ce qui ? Exactement la même chose. On va rester systématique et assez logique. Question, qu'est-ce qui te plaît ici ? Elle me demande, continuez la question, en transposant du discours direct au discours indirect, s'il vous plaît.
Alors, chère Eline qui me demande, est-ce que vous connaissez votre fréquence cardiaque au repos? Non, chère Eline, je suis très très mauvais, malheureusement, avec ces choses-là. Il faut changer le stimulus quand vous devenez plus en forme. Ben écoutez, il faut qu'on discute un jour, chère Eline. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile de vous dire, mais je suis, en général, moi, les choses sont relativement basiques. Malheureusement, je ne suis pas un grand spécialiste de ces choses-là. Je cours, je veux faire des kilomètres pour perdre des kilos, parce que je sais très bien qu'un jour, je vais rencontrer Victoria Jacques et on aura trois plats à manger, et là, je vais prendre des kilos. Alors effectivement ici, c'est relativement simple en fait. L'idée c'est de transformer, de transposer le qu'est-ce qui en ce qui quand on le transpose au discours indirect. Comme vous remarquez, il n'y a pas énormément de modifications finalement. Elle me demande ce qui, bien sûr, vous devez changer et adapter le te en me. Elle me demande ce qui me plaît. Ici, très bien, Stardust doit partir. Au revoir Stardust et à bientôt. Bonne soirée à vous. Allez, on continue avec le numéro 2. Regardez, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, s'il vous plaît, transposez du discours direct au discours indirect. Merci. Allez, on regarde ensemble, effectivement, voilà, c'est la même chose. C'est pas très très complexe à mon avis, mais on va regarder comment vous l'écrivez. Pour l'instant, vous l'écrivez très très bien. Donc ici, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie va être transposé en « elle me demande ce qui », puisque c'est l'idée de l'exercice ici, ces sujets m'intéresse dans la vie. Allez, on continue avec le numéro 3. Allez-y. Qu'est-ce qui est différent maintenant entre nous? Qu'est-ce qui est différent maintenant entre nous? Elle me demande. Allez-y, faites la transposition du direct à l'indirect. Alors, Hellboy, les leçons directes restent-elles sur votre chaîne pour regarder plus tard? Oui, Hellboy, oui. Tout reste. Donc, il y a 6 lives par semaine, du lundi jusqu'au samedi, et tout reste. Donc, vous pouvez regarder, ça fait un an. Ça fait plus d'un an qu'il y a les lives, donc vous pouvez les regarder systématiquement, il n'y a pas de problème. Alors, regardons ça ensemble. Oui, ça, c'est la même logique. Donc là, je regarde et ce que vous écrivez, ben, c'est très, très bien. Donc, pas de problème.
encore une fois la même logique. Hein. Qu'est-ce qui se transforme en ce qui ? C'est pas tellement ça qui est le plus difficile, c'est effectivement de changer après et d'adapter les pronoms si c'est nécessaire. Ici, c'est relativement simple. Elle me demande ce qui est différent maintenant entre nous. Là, il n'y a pas de modification très très majeure, donc pas de problème. On continue avec le numéro 4. Attention, qu'est-ce qui t'a rendu triste ? Elle me demande, allez-y, on passe du direct, encore une fois, à l'indirect. Alors Amla qui nous rejoint, bonjour Amla, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour prof, ben oui, bonjour Amla, juste pour vous regarder, je ne participe pas parce que je suis en retard, pas de problème Amla, ne vous stressez pas, on est là et on est là demain aussi, pas dimanche, dimanche. Je fais une pause, je ne suis pas une machine. Alors voilà, effectivement, je crois que c'est Cosmina qui était la première. Cosmina, oui, d'accord. Alors l'idée ici, hein, c'était un petit peu de jouer avec le passé composé. Et donc ici, bah, la première partie ne change pas vraiment. Elle me demande. La deuxième partie, ce qui m'a, c'est-à-dire que vous êtes obligé de transposer, bien sûr. Ça n'est plus ta, mais c'est ma, rendu triste. N'oublions pas ici que a rendu, hein, ça reste toujours à la troisième personne du singulier, donc a rendu, vous n'y touchez pas, c'est juste le pronom qui se transforme en de ta, enfin te, en me, et donc vous mettez l'apostrophe. Elle me demande ce qui m'a rendu triste. Allez, on finit avec le numéro 5. Qu'est-ce qui a choqué ton fils ? Mais qu'est-ce qui a choqué ton fils ? Elle me demande, allez-y. Allez, on regarde ensemble, effectivement ici, donc elle me demande encore une fois, même point de départ, ce qui, ça ne change pas, donc c'est relativement systématique, a choqué, bien sûr, encore une fois, ton fils doit être transposé, et vous allez dire mon fils. Elle me demande ce qui a choqué mon fils. Voilà, ben écoutez, vous allez devenir des spécialistes hein, pour la transposition du direct à l'indirect. Et je dis bravo. Alors, Yulia nous en parlait, elle nous en parlait, et c'est pour ça aussi que j'en parle finalement. Les années 60, c'est Louis de Funès qui règne effectivement dans la comédie. Alors, c'est pas le seul, mais en tout cas, il est très très important. Et Louis de Funès nous propose effectivement le deuxième. Ça, c'est mon préféré. C'est mon préféré des Fantomas. Fantomas contre Scotland Yard, il est incroyable. Yable.
Allez, on continue. Trouvez un mot, s'il vous plaît. Trouvez un mot qui commence avec FR. J'attends vos mots. Alors, Julia qui dit peut-être que je devrais regarder Fantomas en français. Faites attention, Julia, parce que ces films qui sont assez anciens peuvent provoquer une certaine frustration. On attend quelque chose d'incroyable et finalement, on est un petit peu déçu. Peut-être que vous devriez choisir un autre film, mais je ne sais pas. C'est votre grande décision, Julia. Faites attention, pas de déception. C'est vendredi soir, il faut se faire plaisir. Alors, Omar qui commence avec « Franchement !» Benter qui nous dit « Franchement aussi !» Denora qui nous dit « La frustration, ça arrive !» Grace qui nous dit « France !» Johanna qui nous dit « Fracas masculin !» Le fracas, effectivement, avec perte et fracas, l'expression. Mélissa qui nous dit « Le frisson !» Ice Cubes qui nous dit « Franchement !» Grace qui nous dit « Le froid !» Lynn qui nous dit « Le français !» aussi, qui discute. Luciana qui dit « Le frigidaire !» Effectivement. Amla qui nous dit, ah d'accord, qui discute aussi, Vouslat, la frustration, ça arrive. Margaret qui nous dit, la France. Adriane qui nous dit, le frigo. Yulia qui nous dit, la fraise, délicieux la fraise. Fatima qui dit, la fromagerie. Ange Gabriel qui nous dit, le front. Cosmina qui nous dit, la fracasse. Alors ça dépend du contexte aussi, hein. Être fracasse, mais ça c'est du français familier, hein. C'est quand vous avez bu un petit peu trop. Cheryline qui nous dit, alors, oh lolo, le frontofocomètre. Qu'est-ce que c'est, Cheryline, le frontofocomètre? C'est bien d'inventer des mots, c'est bien d'inventer des mots, il faut quand même les expliquer. Casimira qui nous dit le fromage, Yesero qui nous dit la frontière, Hilary qui nous dit la fragrance. J'aime beaucoup ce mot, la fragrance, c'est vraiment très joli et très sympathique à prononcer. Chris qui nous dit les fruits, Yossi qui nous dit frissonner, Olga qui nous dit frisson, masculin le frisson, Alberto qui nous dit frénétique, masculin féminin, c'est la même chose, Victoria Jacques qui nous dit les fruits du verger. Eh Victoria Jacques, eh, faut se préparer, hein. Trois plats, moi je suis prêt, moi je cours, je suis prêt à prendre tous les kilos qu'il faut. Trois plats, peut-être un dessert. Margaret, les frites. Casimira, France ou francophone. Renato, friande, masculin friand. Gloria, qui envoie, qui... Ah ben au revoir, on s'en va bientôt. Victoria Posse qui dit au revoir aussi. Très bien, tout le monde se dit au revoir et ça, c'est une très bonne chose. Les gens sont très polis. Allez, voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci. C'était vraiment très, très sympathique. Écoutez, si vous avez le temps, demain, à la même heure, je serai là et ça me fera un grand plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous invite, comme d'habitude, à marcher avec moi dans les rues de Paris, quelle surprise. Au revoir.